البناء السلبية. بالنسبة لاتفاقية بازل 3، كما قلنا بازل 3 جاءت من أجل معالجة أو وضع ضوابط المصارف لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية سنة 2008. بما أننا نعرف أن المصارف الإسلامية لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، يعني لكنها من جهة أخرى هي مجبرة أن تلتزم بمعايير كفاية رأس المال، بمعايير عفوا لجنة بازل 3 التي كانت لها عدة قواعد، من بينها قاعدة متعلقة بكفاية رأس المال، هي مجبرة أن تلتزم بها من أجل أن تقوي رأس المال وتدعم المرونة المصرفية الإسلامية. هناك معايير متعلقة بالرقابة والإشراف التي لها إذا التزمت بها المصارف الإسلامية ستدعم العمليات المعاملات المصرفية وكذلك على نماذج عملها وإمكانية تسعير منتجاتها وكذلك على وضعية موازنتها. هناك المعايير المتعلقة بالإفصاح والشفافية التي لها دور كبير لو التزمت بها المصارف ستدعم مصطلح لغوفيرنانس، المصطلح الحوكمة في المصارف الإسلامية، يعني كانت لها تأثيرات إيجابية على المصارف الإسلامية. لكن هذا لا يمنع أنه هناك عدة انتقادات يمكن أن تقدم إلى بازل 3 استنادا للتطبيقات من طرف عندما تم عملية تجسيدها وتطبيقها في بعض المصارف، أنها قيدت المعاملات المصرفية من خلال ارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة وتقييد كذلك بعض المؤسسات المصرفية من خلال آلية التدخل في هيكلية رأس المال. طبعا يعني فقط احترم الوقت وقدمنا بعض التوصيات التي يمكن ان ناخذ بها في امكانيه العمل بها في الصيرفه الاسلاميه. يمكن ان نضع تدابير احترازيه وانظمه انذار مبكر لكي نتصدى للمخاطر سواء كانت مخاطر نظاميه او غير نظاميه. يمكن ان نهيئ البيئه المناسبه للمصارف من خلال سياسات واجراءات المناسبه لتدعيم الرقابه بها حسب ما يعني سيميلاسيون يتساير او مع معايير الرقابه الدوليه. ويمكن كذلك ان تكون هناك اهليه وخبره في عمليه التوقع والتنبؤ بالمخاطر من خلال التقارير التي ترفعها الى الهيئات المعنيه. واشكركم فقط على حسن المتابعه والاصغاء وشكرا جزيلا. شكرا للاستاذه رقيقي وطن الزراعه على عرضها الغني، واعطي الكلمه مباشره للاستاذ طارق محمد فضل المحلوف consultant formateur en finance islamique. Donc le sujet qui va traiter, c'est la finance islamique est-elle une alternative plus stable? Les sortes d'hommes, je crois. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc le modèle que je vais présenter, je l'ai intitulé le modèle des corollaires, c'est une modélisation des facteurs d'instabilité et des réponses de la finance islamique par rapport à ces facteurs d'instabilité qui ont été les principaux facteurs de la crise financière. L'hypothèse générale, c'est que la finance islamique est exempte des facteurs d'instabilité systémique dans le système financier actuel. Elle ne présente pas ces facteurs. La première hypothèse, c'est que les facteurs de la crise peuvent être regroupés en deux blocs majeurs. Chacun des facteurs de cette crise peut être rééquilibré par un principe de la finance islamique au niveau des principes théoriques. Il y a un gap entre la théorie et la pratique, mais on part sur l'hypothèse qui est négligeable. Et la quatrième hypothèse, c'est que les prescriptions de la finance islamique sont en phase avec les finalités de l'islam. On va d'abord présenter les deux blocs majeurs. Ce modèle se veut un modèle de synthèse qui synthétise une grande partie de la littérature qui s'écrit sur la crise et la finance islamique. On énumérera les deux blocs principaux et les facteurs qui ont engendré les crises systémiques dans l'histoire du capitalisme selon des prix Nobel. On analysera si besoin les causes et les manifestations des déséquilibres liés à ces facteurs. Et on mettra en exergue les principes de la finance islamique qui présentent une réponse adéquate à ces facteurs. Mais pour faciliter la vie aux responsables du temps, j'ai tout mis en un slide comme ça, Ishouf Maya, finance islamique. Voilà. Alors, les facteurs, les causes et les effets et les corollaires en finance islamique. Premier grand facteur, c'est l'intérêt, ce qui est lié de près ou de loin à l'intérêt. Le deuxième, c'est la spéculation. En face, on a les réponses de la finance islamique. Alors, premier élément lié à l'intérêt qui a entraîné la crise, c'est le fait que l'allocation du capital dans le système financier actuel n'est pas optimale. Pourquoi? Tout simplement d'abord parce que pour les banques actuelles usuraires, les garanties font plus que le potentiel. Si vous avez deux projets, un projet d'un jeune entrepreneur qui a un rendement prévu de 50% et un projet d'un industriel qui a un rendement prévu de 15%, la banque va donner à l'industriel le crédit tout simplement parce qu'il a des garanties hypothécaires. Les riches et les spéculateurs ont donc plus d'opportunités dans ce système actuel. Et ça pousse à la crise et au laxisme, tout simplement parce que quand on a un intérêt fixe, régulier et une rémunération du capital, on n'est pas poussé à l'investissement et au risque. La finance islamique répond à ces éléments par deux facteurs. D'abord, le principe des 3 P,
partage les profits et les pertes, al-ghonmu bil-ghonmi. Donc on partage les profits et les pertes. Cela permet une allocation plus optimale du capital. Si la banque islamique a deux projets, un avec un rendement prévu de 50% et un autre avec 15%, elle va s'impliquer dans le projet de 50%, surtout si l'étude est faite et bonne, et n'exigera pas de garantie puisqu'elle ne prête pas d'argent mais elle s'implique. La zakat et la valorisation du travail. On ne peut pas être laxiste et thésaurisé en finance islamique parce qu'il y a tout simplement la zakat qui est une redistribution. Deuxième élément lié à l'intérêt, c'est que le risque en finance usuraire est supporté unilatéralement par l'investisseur. Ce qui fait que la banque ponctionne une part de la productivité. Il y a un risque de déséquilibre actif-passif tout simplement parce que s'il y a une dévaluation des actifs des banques, la banque n'a pas le droit théoriquement de toucher aux prêts et aux dépôts des déposants, sauf qu'on a vu avec Chypre que le crime organisé peut être légalisé. Les banques ont ponctionné les dépôts des déposants. Les chocs sont unilatéralement supportés. En finance islamique, encore une fois, le principe des 3P répond à cet élément. Le risque est supporté par les deux parties et les risques sont mutualisés. Asset-backed finance. Le troisième élément lié à l'intérêt qui déstabilise et qui entraîne la crise, c'est le fait que philosophiquement, dans l'économie actuelle, on rémunère le capital ex ante, c'est-à-dire avant la production de ce capital. L'effet de levier et les taux variables. Puisqu'on fixe l'intérêt a priori, c'est une distorsion de l'économie parce que c'est comme si on supposait un rendement précis minimal du capital alors même que l'opération de production n'a pas encore eu lieu. Ce qui fait que, selon beaucoup d'économistes, l'économie actuelle stagne et va stagner dans un équilibre de sous-emploi. Un équilibre de sous-emploi. Et l'effet de levier entraîne la procyclicité des cycles, c'est-à-dire en croissance, avec l'effet de levier, la croissance est plus forte. En crise, à cause de l'effet de massue, qui est l'inverse de l'effet de levier, la crise est plus forte. En finance islamique, les intérêts et les pénalités de retard sont prohibés. La rémunération du capital se fait ex post, c'est-à-dire après l'opération de production. Quatrième élément lié à l'intérêt et qui a entraîné la déstabilisation systémique, c'est le commerce de la dette et la titrisation des prêts. Le risque est déplacé de la banque à l'économie réelle. Il faut savoir que quand la banque elle fait un prêt, elle fait très rapidement la titrisation pour se débarrasser de ce prêt et des risques qui lui sont liés. Et donc c'est l'acheteur du titre de prêt qui supporte le risque, le petit spéculateur, monsieur tout le monde, qui ne sait pas ce qu'il a dans son OPCVM ou sa SICAV et qu'il suit très rarement. Maurice Allais, prix Nobel de l'économie, a affirmé que les crises sont toutes dues à la titrisation et que l'économiste Galbraith, qui est aussi un prix Nobel, a dit en 1954 que la titrisation entraîne systématiquement la spéculation. Quand j'ai le prix Nobel, parce que c'est la référence en économie. En finance islamique, le commerce de la dette est prohibé. La titrisation ne peut se faire que sur les actifs seulement. On ne peut pas titriser une dette, on ne peut pas titriser un crédit en finance islamique, et donc on ne peut pas avoir ce risque. Cinquième élément lié à l'intérêt, c'est la création monétaire ex nihilo et l'inflation qui est due à cette création monétaire. Il faut savoir qu'avec la titrisation, la création monétaire est potentiellement infinie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques n'ont pas l'argent qu'ils ont en monnaie scripturale. Le décalage entre M1 et M3, il est à peu près de 1 à 5 ans. C'est-à-dire que la banque ne dispose que d'environ 5% de cash par rapport à ce qu'elle prête. Si tout le monde va à la banque retirer son argent, seuls 5% des gens trouveront leur argent. Le reste n'existe pas. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais il n'existe pas. La création monétaire a commencé en 1692 avec la première banque d'Angleterre. La banque, quand elle vous fait un prêt de 1 million de dirhams, elle n'a pas le million de dirhams. Et le million de dirhams n'existe nulle part. Ce million de dirhams ne viendra exister que quand vous aurez travaillé et commencé à rembourser cela. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Tous les économistes le savent. Donc, avec la titrisation, c'est pire, parce que quand on fait un prêt et qu'on le titrise, on peut le vendre, récupérer du cash, donc ça augmente nos fonds propres, comme a dit notre frère, et donc plus on a des fonds propres qui sont hauts, plus on peut faire d'opérations de prêt. Donc, avec la titrisation, la création monétaire est potentiellement infinie. Irving Fisher, dans 100% Money, 1933, qui est un très très grand économiste, a dit que les expansions monétaires sont toutes un précédent de la crise. C'est-à-dire que toutes les crises ont été précédées par une période d'expansion monétaire. Maurice Allais, prix Nobel de l'économie, a dit que la banque centrale est la première cause de la crise tout simplement parce qu'elle donne le droit aux banques secondaires de créer de la monnaie. C'est-à-dire que l'État, maintenant, quand il veut de l'argent, il ne peut pas imprimer des billets. Il doit aller chez les banques privées emprunter son propre argent pour faire ses propres projets.
Il y a donc une déconnexion entre le marché monétaire et l'économie réelle. En finance islamique, les grands experts de finance islamique avancent le principe de 100% money qui a été avancé par Fisher, c'est-à-dire que la banque n'a pas le droit de créer de monnaie. La banque prête ce qu'elle a. La banque prête ce qu'elle a. L'émission est centralisée en finance islamique. Al Imam Ahmed, لو أعطي حق الضرب إلى الخواص لركبوا أهواءهم. Et c'est ce qu'ils ont fait les banques secondaires. Alors, les intérêts, les éléments liés à la spéculation. D'abord, on a une mauvaise gouvernance et une mauvaise régulation actuellement. Le risque est éclaté. Les régulateurs n'arrivent plus à suivre le risque. On a moins de traçabilité. Les produits dérivés, les produits structurés, c'est quoi? C'est un morceau de CDO, un morceau de CDS, un morceau d'assurance, un morceau de prêt, un morceau d'investissement. On met tout ça dans un package qu'on appelle produit dérivé. Le régulateur, même le banquier, ne comprend plus où est le risque. Où est le risque dans ce produit dérivé? L'État sauve toujours les banques. Comme l'État sauve toujours les banques, vous vous rappelez le plan Paulson, 700 milliards de dollars aux États-Unis, puisque les banques savent que l'État va les sauver, elles sont encouragées inconsciemment à prendre toujours plus de risques. Et qui paye les pots cassés? C'est le public. C'est le public. Parce que la banque fait les prêts, donc quand elle gagne de l'argent, quand elle perd, donc les profits sont privatisés et les pertes sont mutualisées. On va prendre l'argent des déposants. Aujourd'hui, à Chypre, on a pris entre 37 et 60% de l'argent des gens. Medvedev a dit, Premier ministre de la Russie, ça, c'est du vol. La vidéo qu'il y a sur YouTube, c'est enregistré. Donc, balle 1, balle 2, balle 3, balle 7, balle 39, ça ne présentera pas de solution, tout simplement parce qu'on fait du colmatage. On ne remet pas en cause le système. C'est comme si on avait une hémorragie en médecine et qu'au lieu d'aller coudre là où il y a la blessure, on met du coton et de l'eau et on dit ça va bien, il n'y a plus de sang et à la fin il meurt. On se demande pourquoi il est mort tout simplement parce qu'il a perdu tout le sang. Donc on ne remet pas en cause le problème, la cause du problème. En finance islamique, le sharia abord est obligatoire, ce qui entraîne l'augmentation de la régulation et on mutualise les profits et les pertes, encore une fois le fameux principe des 3P, de colonne vertébrale de la finance islamique. Le poids des assurances est lié à la spéculation, tout simplement parce qu'il y a une connexion entre les banques et les assurances. L'actif des uns, c'est le passif des autres. Les assurances sont le suppôt des banques dans la bulle. Comment? En créant des produits dérivés de financement et de couverture des produits dérivés, les CDS, les obligations. Il faut savoir qu'entre 60 et 80% de l'argent que vous donnez aux assurances, il va dans les obligations. Et ça, ça donne l'illusion de couvrir le risque. Or, on a vu avec AIG, la plus grande compagnie d'assurance dans le monde, elle a coulé. Tout simplement parce qu'elle a couvert des produits financiers toxiques. Parce que le risque, il ne disparaît pas. C'est une erreur de penser que les produits dérivés enlèvent le risque. Le risque, il est là. Si celui qui a contracté le prêt ne rembourse pas, le risque, il est là. Mais qui va le supporter? C'est ça que cachent les produits dérivés. En finance islamique, le rara est proscrit, donc l'interdiction de l'assurance. Et l'investissement dans l'illicite est proscrit, donc les 60 à 80% de fonds qui vont dans les obligations est interdit. La spéculation à découvert et la vente à terme. Et le troisième principe lié à la spéculation, comme l'a dit notre collègue chez Tsarkel El Zmani en 2009, il faut savoir que dans les produits dérivés de vente à terme, seuls 2% des contrats à terme sont livrés. Donc, conclusion, 98% des contrats à terme sont purement spéculatifs. Cela amplifie les chocs. Il faut savoir que quand on fait la vente à terme, eh bien, on amplifie le choc. Pourquoi? Parce que quand on a un choc, on a une baisse des prix. La baisse des prix en économie, c'est l'augmentation de l'offre qui est supérieure à l'augmentation de la demande. Donc les prix diminuent. Et donc, quand on a des spéculateurs qui viennent vendre en plus des produits qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'offre artificiellement et qu'ils ont 7 jours dans la bourse pour aller chercher ces produits, on amplifie le choc à la baisse avec la vente à terme. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال Hakim ibn Hazim la tabi' ma laysa indak. Il faut savoir que Goldman Sachs, à cause de la spéculation sur les matières premières, parce qu'ils ont spéculé surtout par un marché sur lequel ils n'ont pas spéculé, c'est le marché des matières premières, la bourse de Chicago, la farine, le lait, le maïs, le blé, le jus d'orange, les produits avec lesquels vivent les gens tous les jours. À cause de l'implication et dans l'entrée de Goldman Sachs et de sa spéculation dans les matières premières, aujourd'hui l'UNICEF nous dit, chaque année, à cause des ajustements structurels, à cause de la crise de la dette, à cause de la spéculation dans les produits dérivés, on a 500 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année. 500 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année. 9 millions. L'humanité est en guerre contre elle-même. Elle est en guerre contre elle-même, l'humanité. En finance islamique, la spéculation est prohibée. La vente à découvert est prohibée. Quatrième élément lié à la spéculation qui a entraîné la crise,
c'est la complexité des produits structurés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les régulateurs sont dépassés. On peut avoir dans une banque d'affaires, dans le même desk, deux traders qui ont tous les deux fait la prépa, grandes écoles, polytechniques, doctorat en mathématiques probabiliste. Le premier fait un produit structuré, moi je ne le comprends pas. C'est comme ça, dans les banques d'affaires. Si moi, analyste, je ne comprends pas comment le sales, le vendeur, va le comprendre. Et a fortiori, comment le banquier du coin va comprendre ce produit. Il ne va pas le comprendre. Même les régulateurs sont dépassés. L'ingénierie financière, elle a toujours de l'avance sur la régulation. Il y a une illusion d'éliminer le risque et de sécurité à cause de la complexité. Les produits structurés, je vous ai donné l'exemple d'un produit dérivé, sont illiquides en cas de retournement. Personne n'en veut. Donc, on les vend rapidement. Les chocs sont plus amples. Minsky, c'est un très grand économiste, l'innovation financière déstabilise l'économie. En finance islamique, le rarab est proscrit. Un produit complexe où une clause de contrat qu'on a voulu ne pas vous montrer est interdite. L'actif en finance islamique est inséparable du risque. Cinquième élément, on a presque fini, la vitesse des transactions. Il faut savoir que la vitesse des transactions est énorme. Dans les années 70, la moyenne de durée de détention d'une action, c'était quelques jours. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en moyenne, une action aux États-Unis est détenue 22 secondes. 22 secondes. Et en une journée de 8 heures, on peut faire 10 000 transactions sur une seule action. C'est de la folie. C'est de la folie actuellement. Il y a une asymétrie d'information entre les traders et le public. Il faut savoir que les traders, ils ont une règle d'or. Quand ça dépasse 5 minutes, c'est imprévisible. Or, le public, il va une fois par mois chez son banquier lui dire « Fais-nous cela avec Maroc Telecom ». Avec l'action de Maroc Telecom, là, avec l'action plein. Donc, il y a une asymétrie d'informations. Et donc, la vitesse des transactions est propice aux bulles et à l'inflation. Les bulles spéculatives et l'inflation tadkhum. En finance islamique, il y a un principe qui est malheureusement pas très connu et peu appliqué, c'est « Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an tuba' as-sila' haythu tubta' hatta yafuzaha at-tujjaru ila rihalihim ». C'est-à-dire, on ne peut pas faire une transaction sur une chaise 40 fois la même journée alors que la chaise n'a pas bougé. On ne peut pas faire une transaction sur un baril de pétrole 60 fois dans une journée alors que le baril n'a pas bougé. Plus on a d'intermédiaires, plus les prix augmentent et c'est le consommateur final qui paye à la fin. C'est comme la taxe sur la valeur ajoutée. Deuxièmement, il a interdit de revendre les marchandises avant le qabd, avant son appropriation. Et donc ça limite, ça casse la spéculation. Si on applique ce principe en finance islamique, il devrait être appliqué. Ce n'est pas l'un des principes les plus connus, mais pour moi, c'est le principe. Ce sont les deux principes qui cassent la spéculation en finance classique. Dernièrement, c'est le poids des produits dérivés. À votre avis, quel est le poids des produits dérivés par rapport aux richesses réelles? Si on dit par exemple que toute la planète a produit 10 bouteilles, quel est le poids des produits dérivés? C'est quoi un produit dérivé? C'est quelqu'un qui dit, moi je vais faire un papier pour l'achat de la bouteille. L'autre qui dit, moi je vous vends un papier pour la vente de la bouteille. Un troisième qui vous dit, moi je vous fais une assurance sur la bouteille. Le quatrième vous dit, si la valeur de la bouteille augmente, je vous donne 5 dirhams. Si elle diminue, je baisse le prix du papier, et ainsi de suite. Le poids des produits dérivés par rapport aux richesses réelles mondiales est supérieur à 10 fois. C'est-à-dire que les richesses mondiales aujourd'hui, c'est 70 000 milliards de dollars. Les produits dérivés, c'est 800 000 milliards de dollars. Donc, quand tout va cracher, qu'est-ce qu'on aura à la fin? Qu'est-ce qui vaudra quelque chose? Est-ce que ça sera les 10 bouteilles ou les papilles? Ce sera les 10 bouteilles. Donc c'est la richesse réelle qui reste à la fin. Or aujourd'hui, on est dans une pyramide inversée. Seul, quand les produits dérivés ont été créés pour la couverture dans les années 70, 3% servaient à la spéculation et 97% servaient à la couverture et au risque. Aujourd'hui, 2% servent à la couverture, et 98% des produits dérivés servent à la spéculation. Donc, comme il a dit Keynes, on est dans l'économie casino. Il y a une équipe troll avec le trader qui BH. C'est du casino, c'est même pas le BH là. D'ailleurs, notre système valorise inconsciemment et schizophréniquement le trader. Pourquoi? Si je vous dis, on prend un médecin, un professeur, un agriculteur, un cadre, un industriel et un trader. Qui est le mieux payé? C'est le trader. Le trader, un trader marocain à Londres a touché une prime de 1 million de livres sterling, c'est plus de 1 milliard, en un an. Et le salaire là, 50 millions de charmes, 1 milliard de primes. L'agriculteur et le trader et le professeur peuvent travailler toute leur vie, ils ne vont pas toucher la prime d'il y a un an d'il y a le trader. Donc le système, qu'est-ce qu'il nous dit? Inconsciemment, bien sûr, faites du trading. Faites de la spéculation, c'est mieux payé, c'est valorisé. Inconsciemment. Donc la spéculation est valorisée dans le système, on est dans un système de pyramide inversée, et au lieu d'avoir les richesses réelles en bas qui constituent la base et les dérivés en haut, on a la pyramide inversée, et ni la base c'est des richesses réelles chichouïa, en haut on a les produits dérivés, et donc le moindre souffle
fait des pertes, comme on l'a vu en 2008, 40 000 milliards de dollars. Vous imaginez 30-40 000 milliards de dollars, c'est impossible dans l'économie réelle. C'est comme si vous me dites que la moitié des richesses mondiales se sont évaporées, c'est impossible. Même si on a une crise, notre immeuble il est là, notre voiture il est là, nos cadres ils sont là, non. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, les crises, c'est 30-40 000 milliards de dollars de crise. D'où ça vient, où ça va, ça s'évapore. En finance islamique, les dérivés, pour rassurer tous nos ingénieurs financiers, grosso modo, les dérivés sont interdits. Les dérivés sont interdits. Et si vous me dites que le salam, c'est un dérivé, ou là, la raconte, c'est un dérivé, je vous dirai non, c'est pas un dérivé, c'est un produit qui est le cœur de la finance islamique. Donc le dérivé, les mouchkat sont interdits en finance islamique. Et le meïsir est interdit en finance islamique. Donc si vous me prenez un produit qui est dans le kutub al-fiqh, qui est reconnu par le najam al-fiqhiyya, quand on dit que c'est un dérivé, moi je vous dis que ce n'est pas un dérivé. C'est un produit de la finance islamique qui est relatif à une richesse réelle, donc qui est relatif à un transfert de droit de propriété d'une richesse réelle. Et c'est comme cela que se résume la réponse de la finance islamique au facteur spéculatif. Et un consultant en finance islamique, son sujet était la finance. C'était la finance islamique est une alternative plus stable. Donc je passe directement à la prochaine, mais elle est absente. Donc elle n'a pas pu arriver, c'était absente, elle n'a pas pu se déplacer. C'est une Wafakamoni, c'est une Tunisienne qui a proposé. Son sujet sur la finance islamique et gestion alternative, solution à la crise, donc elle n'a pas pu arriver. Donc on espère bien qu'elle participera une autre fois. Donc je passe directement à Nasser Brahmi, c'est jamais aussi n'a pas pu arriver. Et je donne la parole à Mohamed Kouadi. استباحث في سلك الدكتوراه بمعهد الدراسات الإفريقية وكلية العلوم التربية بجامعة محمد خالد بالرباط. موضوع أدوات المالية الإسلامية وتدبير الأزمات الاقتصادية المالية المعاصرة في ضبط تعاليم القرآن والسنة. هل تفضل مشكور؟ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. بداية أشكر الإخوة المنظمون لهذا الملتقى الدولي والذي أتمنى له كل التوفيق وأن يحقق أهدافه كاملة. فيما يخص المداخلة بعنوان أدوات المالية الإسلامية وتدبير الأزمات الاقتصادية والمالية المعاصرة في ضوء تعاليم القرآن والسنة. بطبيعة الحال هذا الموضوع وبحق استمعت من الإخوة أظن أن هناك تقارب في المواضيع في المداخلات، لكن أنا لن أكرر ما قيل بل سأحاول مقاربة هذا الموضوع من زاوية مخالفة، ويتعلق الأمر بالمقاربة المزدوجة أو تقرين الجانب الشرعي بالجانب الاقتصادي، وبالتالي ستكون محاور هذه المداخلة على الشكل الآتي: المحور الأول الأزمات الاقتصادية والمالية مفهومها وأنواعها وتاريخها، ثم المحور الثاني ما هي الأدوات المالية الإسلامية وعملياتها ومدى مساهمة تدير أزمات نظام الرأسمالي وتمويل التنمية في ضوء القرآن والسنة. وقبل ذلك لابد أن أقدم لهذا الموضوع بنبذة تاريخية عن تطور الفكر الاقتصادي عامة، وأبدأه وإن كان قبله بقولة مأثورة لأرسطو تقول أن المال لا يلد المال. إذن هذه كلمة قولة أساسية، فإذا نحن ركزنا عليها سنتفادى الوقوع في الضرر والإضرار الذي أشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النزل: لا ضرر ولا ضرار. وهذه كذلك قاعدة أساسية، أي العدل والمساواة في المعاملة. كذلك
بإضافة إلى قول أرسطو، هناك كذلك في ما بقي في الديانة السابقة في إطار العلاقة أو وحدة الدين، سواء في اليهودية أو النصرانية أو الإسلام، فالدين واحد، لأن الدين عند الله الإسلام. وما التغيير الذي طرأ على الديانة السابقة إلا تحريف قد يعني حول هذه التعاليم إلى تعاليم تخدم المصالح الشخصية، وهذه المصالح وهذا الأمر نلاحظه الآن في 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 حياتنا الآن يعني الواقعية عبر التاريخ. فمثلا أنا أسرد نصا في العهد القديم يقول: لأخيك لا تقرب بربا، لأخيك لا تقرب بربا، بمعنى أن الربا محرم كذلك في الديانات السابقة باعتبار أن مصدرها واحد. وإن كان تأويل هذا النص لأخيك حسب يعني ما يخدم منافع اليهود، لأن الأخ عندهم هو اليهودي وليس الآخر، بل الأخ هو الإنسان، الإنسان أخ الإنسان. إذن بهذا وبالتالي فالتاريخ الاقتصادي يعني بدءا من بدايته الأولى عرف يعني مراحل ازدهار ومراحل انحصار وتداول للأمم والحضارات. وطبعا حسمت الحضارة الإسلامية في أوجها في يعني خلق الرفاه للمسلمين وللإنسانية آنذاك، حتى جاءت يعني فترة الرأسمالية كما تعلمون في مراحلها، حين ابتدأت من التجارية لتمر إلى الصناعية، والآن هي الآن في فترة يعني المالية، يعني وصلت إلى مرحلة كما أشار إلى الإخوة مرحلة القمار ومرحلة يعني المعاملات الخيالية أو المعاملات المستقبلية. وهذا الإشكال هو ما يطبع النظام باستسام مونيتار إفينانسي إنترناسيونال، النظام المالي والنقدي الدولي الذي انتقل من يعني المقابل الكلي للذهب إلى إفراغ هذا المحتوى أو هذه القاعدة من محتواها، حيث أصبح الإصدار لا يستند إلى يعني إلى ما يقابله من الذهب والفضة. وهذا في نظري هو الذي أدى إلى كل هذه المشاكل، باعتبار أن فئة هي التي يعني أصبحت تتحكم في دوائر الاقتصاد العالمي وتفعل به ما تشاء، حتى أصبحنا يعني حتى يعني أصبح هذا الفكر الاقتصادي الرأسمالي يعرف بفكر الأزمات الدورية والمتكررة باستمرار. الطلب، العرض، نسبة الفائدة إلى غير ذلك، حتى ظهر يعني تلك المرحلة إلى يومنا هذا مجموعة من المفكرين في مختلف يعني الفنون الاقتصادية والمالية يصوبون يعني اعوجاجات هذا النظام. والإخوة أشاروا إلى العديد من المفكرين الاقتصاديين الذين حازوا على جوائز نوبل في هذا المجال، وهذا يؤكد ريادة المنظومة الإسلامية في هذا المجال. وهذه دعوة للإخوة الباحثين في هذا المجال بأن يعودوا إلى نصوص الشرع من قرآن وسنة بالخصوص لاستخراج مكنونات يعني ودرر يمكننا أن نستهدي بها لحل هذه التناقضات.